Eh bien, bonjour à tous les écouteurs, c'est un moi. On n'entend pas très bien. Il faut que je baisse le son, je suis en train de régler ça en même temps. Alors, test. 1, 2, 1, 2. Ça m'a l'air pas trop mal, ouais. Ça a l'air. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème de son ou quoi. Et attention du coup, puisqu'on est toujours dans la nouveauté, ça va arriver. Hop. Et voilà, c'est moi. Et je suis dans ma chambre cette fois, donc vous pouvez voir ma magnifique collection. Ah, ah c'est de l'autre côté. Toy Story. Une partie du moins. Ça fait toujours plaisir. Donc on va se lancer pour la suite de ces aventures sur les Simpsons Hit and Run. C'est parti. Alors, continuez. Je vais garder le retour de stream sur mon portable là, pour bien voir si ma tête ne gâche pas tout. Parce que en fait, j'aurais bien aimé la mettre plus carrée. Je vais regarder si je peux pas la caser ailleurs. Oula, j'espère que l'émulation ne va pas encore faire des siennes. Ouais, parce que là, en fait, elle est pas bien, bien placée. Alors, attendez. On va essayer de faire ça comme ça. Ou alors on met en tout petit là. Enfin en tout petit. On met dans ce coin là. Ouais, ça m'a pas l'air déconnant. Comme ça. Puis comme ça. Ça m'a l'air bien là, non? Je sais pas. Ouais, sur mon retour, c'est pas dégueulasse. Bon. On va tester ça comme ça, on débute. Alors effectivement, il y a une course à faire, je me souviens maintenant. Avant de se lancer à corps perdu dans l'émission, pour la retrouver la mission, pardon, la course. Putain, l'émulateur, il est chiant. Alors, les boutons de dérapage. C'est pénible quand même hein, que ça va être comme ça. J'ai un peu raté le tremplin, je sais pas si ça s'est vu. À peine, je pense. Peut-être que c'est ce niveau-là qui bug et que ça va se restabiliser après. En fait, j'ai confiance sur le fait que le prochain niveau va restabiliser un peu le jeu pour une raison. C'est que c'est la même map que le premier niveau et ça avait pas bugué le premier niveau. J'ai peut-être des grosses conneries, hein. C'est pas probable. Oui, d'accord, allez, si tu veux. Je vais juste prendre une clé à molette pour réparer mon véhicule. Là. C'est violent, quand même. Encore. On va essayer. Le problème, c'est que maintenant que je me suis investi à fond dans le truc, j'ai envie de le terminer, quoi. Mais c'est pas terrible, hein. Bon, la course. Trêve de plaisanterie. Effectivement, j'ai l'impression que c'est les séquences à pied hein, qui me font. Enfin, qui bug pas. Pourquoi tu travailles ici? Papa a dit que je devais rester ici jusqu'à ce que j'arrive à me contrôler à la quincaillerie. Vroom, vroom! D'accord, je vais participer à la course. Allez, cette course de l'enfer. Cette fois, on l'a réussi. Hein. Je suis déçue. Génial, je vais encore plus culpabiliser. Je sais que... J'ai été vérifier un peu sur YouTube comment faire cette course. Donc, le monsieur ou... Enfin, la personne, du moins, qui a fait la course avec...
à cet endroit a pris le véhicule que j'ai là actuellement. Donc je pense que le véhicule n'a pas beaucoup d'influence. Et je confirme hier sur le fait qu'il y a bien un endroit où en fait Marge elle va se foirer et c'est par là que je pourrais reprendre le dessus. Après il faut arriver à le reprendre le dessus. Parce que là j'ai peut-être déjà foiré en vrai quelque part. Hein. Je sais pas. Ah bon, non, non, non. Il en chie ce salaud. Putain, c'est mort. J'avais une chance, hein. Non, en vrai, je pense. Mais tu peux rien anticiper avec ces bugs de ces morts, là. Là, il est rejoué. Évidemment, rejoué. Chier. Plus souvent étudier les cartes. C'est que ça bug en fait. C'est ça qui me. Sans ça, ça passerait bien, je suis sûr. Ça bugerait pas, ce serait nickel. Hein. C'est trop humiliant. Quelle déception. Putain, un enculé. T'es bien trop lent. C'est toi qui es bien trop lent. C'est le jeu qui est bien trop lent. Gros nul. Je fais toujours tout. Après, dans ce que j'avais vu, il me semble qu'il visait pas autant des dérapages que moi, le gars qui avait fait ça. Je sais pas, hein. Là, je sais pas. J'espère que ça va suffire parce que j'en ai un peu plein de cul. Oh là là, mais c'est horrible quand même. Est-ce que c'est pas là le moment, le turnover? Putain, ça joue à rien! Elle m'emmerde cette course! Je vais essayer quelque chose après pour essayer de. Retourne à l'école. D'augmenter les FPS. Je sais pas si ça va marcher, mais. Enfin ce qu'on ressent quand on échoue. C'est possible. T'as aucune chance, mon pote! C'est juste un échec temporaire. Je suis déçu. Putain, je suis collé au cul. Alors, attends. On va tester ça. Si je fais ça. Ouais. Non, ça va être dégueulasse hein, chez vous. Ouais. Pour le moment. Ouais, mais là, il est tout petit petit. Bon, ça va pas le faire. Comme ça, c'est déjà plus acceptable. Ah. Voilà. Oula! Ah oui, il est dégueulasse, dégueulasse là en fait chez vous. Le jeu. On va s'en sortir. Puis ça ne remonte pas plus que ça, mais FPS. Je me rends compte. Alors là, le jeu il est bien pour vous. Pour moi, ça va, hein, il est pas trop petit du tout. Mais... On va voir. J'ai besoin de vitesse, plus de vitesse. Il y a peut-être un léger mieux. Il y a peut-être un léger mieux. Voir ce que ça donne. Allez. Bon, vu qu'on accuse Bart pour ça. Ça va mieux quand même.
pas cramer de ma gueule en fait. Quelle déception! J'ai besoin de vitesse! Plus tra, de mais tu m'emmerdes! Cette course de l'enfer! Allez, j'en ai rien à foutre que tu t'excuses, je veux juste que tu gagnes. Pourvu qu'on accuse Bart pour ça. Eh, c'est incroyable comment je suis censé la battre là, c'est. Immense moment de joie. Ça me ralentit ces merdes là hein, quand pas vraiment quand je les percute mais quand elles restent au sol là je roule dessus et tout. C'est juste un échec temporaire. Ah la salope. Fait chier hein cette chose. Il faut qu'on arrive à faire cette course. Il me reste que ça et des missions à faire quoi. Les FPS ça allait mieux pendant un moment mais c'est pas plus que ça en fait. En fait le jeu il tourne à 50 FPS et je le vois que des fois il chute à 46. Pour le moment c'est ça le délire. J'ai tout d'affiché sous les yeux donc. Des fois il monte à 51, après il va à 47. Là il a l'air de se stabiliser entre guillemets. On verra. Là, par contre, il a une chute à 34. Je vous donne un peu les indications en direct pour que vous compreniez le problème. Mais je sais pas pourquoi il chute comme ça. Je sais pas. C'est terrible. Et puis cette course, quoi. Terrible, 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 terrible. Allez, mon grand. Putain, mais il m'emmerde! Alors, je vais essayer de faire la course sans parler aussi, comme ça je vais me concentrer à fond. Désolé, je vais pas beaucoup animer là pour cette course. Mais... Putain, sinon c'était ça, hein. La solution, comme bien souvent, c'est Maestro, ferme ta gueule. Incroyable. Je fais toujours tout.
tout bien normalement. Retourne à l'école. Je comprends enfin ce qu'on ressent quand on échoue. Mais putain! J'y arriverai un jour, j'y arriverai, je sais, je sais, mais je sais, je sais. T'as aucune chance, mon pote. C'est juste un échec temporaire. J'en ai rien à foutre. Ah là 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 là, puis c'est bon là. Incroyable, hein. Il manque rien, il manque rien, c'est chiant, c'est chiant. Puis ma manette elle est pas terrible aussi, j'arrête pas de le dire à chaque fois que je stream le dimanche, mais la manette que j'utilise est vraiment pas terrible, elle a fait la guerre quoi. Putain, mais c'est incroyable comment il y a. C'est pas maniable cette merde. Elle a une savonnette en voiture. Allez. Vive la vitesse. Qu'est-ce que tu veux faire? Sa voiture, c'est une savonnette. Je l'ai pas, moi. Elle arrive à rien avec sa caisse. Ah putain! Déception. Ah oui! Il va sûrement tenir son talent de conductrice du côté de sa mère. J'ai senti y arriver dès le début, sincèrement. Ah, la vache! Arrête de parler, s'il te plaît. Bon, donc si je me trompe pas, il reste plus que des missions à faire. C'est ça, il me reste 5 missions et allez. On roule au prochain niveau. Qu'on prend la voiture d'un fou là, pas nécessaire de réparer la mienne, je suis quand même allé prendre ça. J'espère qu'ils sont recyclables. Allez, dis-moi ce que tu veux. Oh, c'est atroce.
un méchant bonhomme livre des cadavres d'animaux à tous les Krusty Burgers qui sont moins chers que mes Quick Mad Dogs. C'était la mission de... Enfin, c'était la mission dans le niveau 2, ça. Avec de la chance, mon magasin, je n'en ai pas volé plus de 4 fois pendant ma balade en voiture aujourd'hui. On a ramassé toutes ces merdes à lui, là, de tout à l'heure, et là, on va devoir lui faire perdre. À ta place, je resterai pas là. Je vais peut-être éviter de faire ça dans le futur. Allez. C'est chiant parce qu'il y a un temps, quoi. Même si je pense qu'en vrai ça devrait aller. Cletus, le roi de la douleur. Faut qu'il y aille. Attention. 300 chevaux de puissance bien commode. Le problème c'est que je peux pas lui mettre la pression en permanence. Oui, oh non, là y'a rien qui tombait, c'est dégueulasse. Moi. Qu'est-ce que vous voulez prouver avec ce genre de conduite? Putain, j'ai récupéré un tiers quoi, ce mec. Je sais merde à lui. Mangez ça, si t'as faim. Oh, j'ai fracassé mon crâne. Oh, non. Ok, ça va. Même là, là, le fait qu'il y ait rien qui tombe alors qu'il s'est mangé deux voitures, c'est limite, hein. Allez, manque 5. Regarde où tu vas. Cletus, le roi de la douleur. Quelle horreur. Mais où aviez-vous la tête? Il est temps de bouger. Putain. Le moment doit recommencer là. J'ai l'impression. Putain, sérieux? Il va m'en manquer que deux. La caméra! Ok. Ouais, je suis pas parti du bon côté. Bon, bah, on recommence. Hein. J'ai la fin, déjà. Si je fais ça, c'est peut-être mieux pour la caméra. Je reviens plus. Parce que je joue comme ça, généralement. Pas comme ça. Comme ça. Ouais, c'est pas dingue. Il faut se dépêcher. Ouais. La dernière fois que j'ai quitté le magasin, des voyous ont mis des photos porno dans les magazines de mariage. Il est temps de passer à l'action. Bravo. Oula. Nos voitures sont en train de s'accoupler. Mangez ça, si t'as faim. Ouais. Oh, non. Et voilà, ce n'est plus d'argent. Il est chiant de percuter, en fait. Ah oui. Sécurité. Il est temps de bouger. Dégage de la route. Ok, c'est gratuit ça. C'est mini cricket. Bravo. Allez, bah vas-y, avance. Là, je suis désolé, je le percute aussi, quoi. C'est dégueulasse. C'est chiant, c'est méga chiant. Mangez ça, si t'as faim. Ça tombe jamais comme tu veux. Mais putain, mais dégagez! Je suis une machine épichée et méchante. Putain, il le lâche à perpète les bains de son raton laveur à la con. Son raton laveur, son putois. Allez, allez, allez. Allez là, ton donneur. Mais où aviez-vous la tête? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il lâche rien là, par exemple. Une telle disgrâce. 300 chevaux de puissance bien commode. Cletus, le roi de la douleur. Putain, il en manque un. Mangez ça, si t'as faim. Ah, mais non.
Oh là là, c'est vraiment l'enfer. J'étais en train de me dire que la caméra, j'ai encore à déplacer. Je suis désolé. Ça, voilà. Peut-être me mettre là, hein, tout simplement, en fait. Là, c'est bien, non? Là, on est bien là, non? Là, on est bien. Ok. Je pense que là, on est mieux que tout à l'heure. Pense que c'est mieux. Je pense. Je dois Allez. l'admettre, l'air frais, c'est mieux que Je l'odeur vois pas la d'une caméra en vieille fait sur le stream. Je regarde juste pompe. les retours. On va y arriver. Enfin, quand je joue là. Hurrah! Contrairement à hier. Oh non! Du coup, j'essaie de regarder en retour de stream et puis voir par rapport au texte et tout qui s'affiche Regarde où tu vas! ce qu'il y a de mieux. Bonjour les ceintures de sécurité! Cletus, le roi de la douleur! Ah putain! Je m'en appuie tout quoi! Putain, je ralentis pour l'attendre et il arrive à me repasser donc quand même. J'ai besoin de vitesse, plus de vitesse. Allez, mais fais demi-tour, bordel de merde, tout à l'heure il fait une marche arrière en ligne droite quoi. Sa mère. Bouge, blanc bec. Allez. Oh non. Hurrah! Je suis une machine épichée et méchante. Chante. Cletus, le roi de la douleur. Oh mais putain. C'est totalement aléatoire hein, quand il jette un truc, quand tu lui mets un coup, hein, je suis désolé. Au bout d'un moment. À chaque fois, il m'en manque pas beaucoup, il m'en manque un ou deux quoi. Bah, là, il m'en manque trois pour une fois. Ouais, bah, allez. On recommence hein. Incroyable. Avec de la chance, mon matin, on n'a pas volé plus de 4 fois pendant ma balade en voiture aujourd'hui. Lisa Simpson, au rapport. Hurrah! Oh, non. Attention, ma chaîne est moins résistante qu'elle en a l'air. Vive la vitesse! C'est dangereux. C'est chiant. Je ne vois plus ta salle planche. 300 chevaux de puissance bien commode. Qu'est-ce que ça? Mais où aviez-vous la tête? Ah donc tu passes par là. On tombe tous les deux. C'était un triplé gagnant ça. Je suis désolé, c'est aléatoire parce que ça depuis tout à l'heure je le fais aussi. Aucun sens. Bon là normalement la mission elle devrait passer. Hein. En plein la gueule. Je suis une machine épichée et méchante. Allez, on va. Putain, mais laissez-moi passer. Il en est à foutre de la gueule. Eh putain, mais je vois pas comment le putois il se lâche loin de lui en fait. C'est abusé, c'est n'importe quoi. Cletus, le roi de la douleur. Ok, allez, dernier. Mangez ça, site. Voilà. C'était super cool. Ah, je me rappelais plus qu'après il fallait que. J'ai aucune idée où chercher. Vous devriez peut-être consulter le professeur Fring à l'observatoire.
Il a l'air de tout savoir. Sauf pourquoi j'ai suivi Bono dans ce patelin paumé. Allez, bouge. Ok, ça va. Je m'attendais à ce que ce soit plus loin, mais... Ok, cool. Cool, cool. Bon karma. Professeur Frink! Professeur Frink! Mon frère Bart a disparu! Vous ne l'avez pas vu? Eh bien, voyons maintenant. Bart m'a aidé à créer un monstre et après il a disparu dans une lumière éclatante. Waouh, c'est dément! Il faut que je parle à quelqu'un qui soit sage et érudit. Ok. Elle a vraiment une tête de merde. Grand-père, tu peux m'aider à trouver Bart? Il a disparu. C'est peut-être qu'un vieux gâteau, mais le chapeau rouge porte-bonheur de Bart est tombé de cette voiture noire. Waouh, grand-père, quel indice génial. T'as montré pourquoi les personnes âgées sont précieuses pour notre société. Je crois que mes dents de lait repoussent. C'est pour ça que j'ai dû frapper cette infirmière. Il vaut mieux que je me serve de quelque chose de gros pour sortir cette voiture de là. Comme ce quart de ramassage scolaire. Oui, ok, donc je l'ai déjà acheté. On n'a pas à le revoir, hein. Vous pouvez m'emmener. Je les ai vus chuter les FPS. Coucou, Springfield. Je sais pas pourquoi. Ma coiffure. Ok. Ça devrait aller, hein. Regarde où tu vas. Bravo. Merde, je l'ai laissé filer. Ça devrait moins aller d'un coup. Putain, c'est immaniable cette merde aussi. Allez. Pourquoi je passe par là? J'en ai un peu de réparer après, j'en reprends. Ma voiture de Malibu Stacy. Ça va, en fait, il n'y a pas de timer, je peux pas me presser. Ouais. Je n'ai jamais vu ce type auparavant. Hé, hey, je suis juste une petite fille. Ah, la connerie. Je m'en souvenais plus de ça. Allez, la police, vous pouvez m'aider à défoncer la voiture. Ok, là. Rentrer lui dans l'art aussi. Mais c'est quoi la priorité de la police? Eux, ils ont des infos sur un petit garçon qui a été enlevé. Et moi, je suis juste une petite fille qui conduit un car scolaire, évidemment. Pour retrouver le petit garçon en question. Il est en train de se défoncer tout seul contre les murs. Ouais, il s'est bloqué tout seul, ça. Bravo. Regardez-le. Quel con. Voilà. C'est vide. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Oh là 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 là. Ok,
Quel con. Le dernier, l'intelligence artificielle pour le dernier. Ils ont dit venez, on lui en met. C'est pas grave. J'ai envie de vitesse en voiture. Oh mais ta gueule, elle est insupportable, je trouve Lisa par contre. Elle a des phrases pas ouf, elle a une tête de merde. Elle a pas décroché les meilleures choses dans le jeu quoi. Pourquoi tu m'as percuté enculé? Excusez-moi chef Wiggum, vous pouvez m'aider? Je dois trouver mon frère. Désolé, ma petite fille, j'amasse des preuves contre Jailbird. On va l'inculper grâce à la loi des trois infractions. Combien vous avez de coups gagnants pour l'instant? Pas d'infraction. Eh oui, vu que je suis un policier super, super nul. D'abord, si on y va incognito, il te faut un déguisement. Vous voulez dire comme un bandeau? Eh, superbe. Si on pouvait se permettre un déguisement comme celui-là, je ne me ferai pas payer en coupons de chips. Vous avez quoi comme déguisement? Voilà des vieux costumes d'Halloween de Ralph. Bien, attendez ici, je vais me changer. C'est vrai que... C'est lequel qu'il faut? Vêtement cool de Lisa. Après, j'y pensais plus à ça que... Il y a des missions qui vont te demander d'acheter des tenues en fait. L'école de la rue. Putain, faut que j'aille loin encore. Faut que j'aille loin. Les meubles sont pas immenses non plus quoi. Ah putain. Ça allait mieux pourtant. C'était pas encore le top du top, mais on était bien quoi. Il est où déjà le magasin? Il est en coin. J'ai besoin de vitesse, plus de vitesse. Plus haut, peut-être. J'ai besoin de vitesse, plus wow, de vitesse. Wow, ouais. Salut à toi. Comment tu vas? On voit ta tête. Et ouais. Et on voit aussi ma collection Toy Story. Normalement, je sais pas si je me trompe de bras, si la caméra est inversée ou pas. Mais de toute façon, même si la caméra est inversée, je suis con, elle est du même côté. Par contre, on voit toujours le jeu qui bug. Hein. Mais il bug moins quand même. Bah, il est où le chaudron de mes couilles? Le donjon, voilà. Sans moi, c'est air pur. Par contre, depuis hier, j'ai un problème. C'est que. C'est Alu. J'attends la suite. Depuis hier, j'ai un problème. C'est mon nombre de spectateurs affichés. Il bug totalement depuis hier, je vous le dis. Sinon, ouais, c'est ça. C'est genre, là par exemple, t'es en train de regarder, et vu que j'ai un retour de live, il y a au minimum deux spectateurs, et ça m'affiche un spectateur. Et je sais pas pourquoi. Et déjà hier, ça me faisait. Après, il y a peut-être des gens aussi qui regardent sans le dire, donc on est peut-être plus que deux spectateurs là actuellement, quoi, mais. Je sais pas. Vu que ça bug, je peux pas dire. On est 40. J'y crois moyen. Oh là là, le jeu. Mais j'avais réglé cette baisse de FPS, je vois pas pourquoi ça se remet à faire ça. Attends, si j'essaye de refaire un coup de gris-gris. Le jeu est en PLS, ouais, il est... Mais déjà, la semaine dernière, il était en PLS. Si je retente un coup comme ça, que je fais ça. Et ensuite, je fais ça. Donc après, si je fais ça... Et là, je fais ça. C'est encore plus simple que la trigonométrie. En fait, j'ai l'impression que les FPS, ils se stabilisent quand... Plus la fenêtre de jeu est petite, plus ça se stabilise au niveau FPS. Donc du coup, je vais finir par jouer sur un écran comme ça. Oui, c'était un écran rond, mais un écran. On est arrivé, sain et sauf.
Et non, même pas, les chutes d'espèces continuent, je sais pas pourquoi. Il est temps de passer à l'action. Il pouvait pas dire le serpent au lieu de je sais plus quoi là. Première infraction, contrefaire des jeans de haute couture, le plus ignoble de tous les crimes. Je suis d'accord. Pourvu qu'on accuse Bart pour ça. Ouais, il fonce un peu dans des gens aussi. Je pense pas qu'il ait vu qu'on l'ait suivi, on lui a rentré dedans, mais il le voit pas, je pense. On est des bons flics en fiature. Renverser une personne âgée sans avoir son permis. Par contre, il s'est... Ouais, je confirme, il a pas son permis. Ah oui, après, par contre, il va se taper des accélérations de fou. Je vais avoir du mal à le suivre. Bah, et puis je suis de l'autre côté, bah voilà, c'est des élections hyper vite. On va y arriver. Merci. Première infraction, contrefaire des jeans de haute couture. Le jeu, par contre, est en PLS, pauvre, on peut plus. Ça ne me le faisait pas au niveau 1, enfin, ça me le faisait très peu. Putain! Bande de sac à merde. Wiggum, c'est ton grand jour. Désolé, désolé. Deuxième infraction, renverser une personne âgée sans avoir son permis. Ne vous inquiétez pas, je suis. Attends, bah, j'ai pas. Je peux pas regarder le chat là, on aller au casino, mais c'était de l'autre côté. J'ai traversé ça pour rien, bah oui. Enfin, il faut que je me tape un gros demi-tour en vrai, là j'y serai jamais en 48 secondes. Mais là je peux pas faire demi-tour vu que le tremplin il se rentre dans un sens. Même si on est pas. Il y avait une clé à molette avant. Ouais mais j'en ai rien à foutre parce que. Donc la molette, c'est pour réparer les véhicules, mais vu que c'est pas mon véhicule, c'est un véhicule de mission, donc ouais, je confirme, la mission, elle est chier. Parfait. Ah, ok. Mais oui. Et oui. Je ne vous le fais pas dire. Allez. Lisa Simpson, au rapport. Oh là là. Je suis en dépression à chaque fois que j'entends le jeu râler. Ah yes! Dès le début comme ça? Première infraction, contrefaire des jeans de haute couture. Oui, dès le début comme ça. Il me reste plus beaucoup de missions après pour passer au niveau avec Marge. Il me reste genre deux missions. J'aimerais bien les faire rapidement. Coucou, Springfield! Y a pas de vacances pour le crime. Et pour moi, si. Ah, je vais autoriser tout commentaire après. Parce que rappelez-vous que les vulgarités, je dois les accepter pour qu'elles soient diffusées. Cassé. Ça va faire long. Renverser une personne âgée sans avoir son permis. Alors, faudrait que... Là... Freine. Non. Oh non. Putain. En fait, il y a un passage, là. Je sais pas si je vais y arriver. Ça me paraît complexe. C'était de l'autre côté, lol. Je vais passer là, ça ira plus vite. Ouais, j'espère que personne m'a vu. Oulala. Peut-être que j'irai. Putain! C'est faisable. Non, c'est mort. Je vais plus
plutôt vite pour un flic. Il manque pas grand chose. Je ne me laisse Nick Fury, Sadar voiture. Sadar voiture, c'est quoi? C'est la voiture de Daredevil. Allez. Sadaron. Oui, mais j'avais compris. Mais en fait, t'aurais dû. Si tu voulais que ton commentaire passe tout de suite, c'est pas Daron qui voulait censurer, c'était Nick. Il est temps de passer à l'action. Oui, comme c'est ton grand jour. Ah, ok. Oui. Mais je sais, pour moi, c'était genre, tu mettais Sadaron. Au début, tu voulais dire, tu sais, c'est genre Nick Fury Sadar voiture. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je voyais ton commentaire. Mais. Non, c'est juste que t'as censuré Daron au lieu de Nick. Parce que c'est Nick, hein, la vulgarité, du coup, c'est pas Daron. Deuxième infraction. Renverser une personne âgée sans avoir son permis. Putain. Elle est chiante cette mission. Oui, continue à faire ton life. Pardon, monsieur. On va y arriver. Y a pas de vacances pour le trip, mais pour moi si. Ouais, balance ton jean de contrefaçon. Première infraction, contrefaire des jeans de haute couture, le plus ignoble de tous les crimes. Je suis d'accord. Voilà, ça leur apprendra. Peut-être que j'irai plus vite en enlevant mon pantalon. Qu'est-ce que vous en pensez? Vive la vitesse! On m'a agressé, que quelqu'un appelle la... Deuxième infraction. Renverser ouais. Une personne âgée sans avoir son permis. Putain! Il était là? Bah oui, mais non. Parce que là, en plus... En fait, il faut que je ramasse son truc, sinon il va considérer que je suis encore en poursuite contre lui et que je le perds de vue. C'est chiant, c'est méga chiant. Lisa Simpson au rapport. Mais je vais y arriver. Hein. Première infraction contre faire des jeans de haute couture. Je me rappelle que j'avais fait une technique avant. Je sais pas si ça peut marcher. Dégage de là. Je vais la faire. Je crois que j'avais fait ça. Parce qu'en fait. C'était ça la technique, c'était de se prendre un mur comme une merde. Non, c'était pas ça. En fait, faut savoir que les objets qu'il laisse tomber, c'est par rapport au temps qui passe, c'est pas à l'endroit où il est. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, au bout de 30 secondes, il fait tomber un truc. Au bout de 40, il en fait tomber un autre. Et j'ai loupé le truc, il fait chier. Et du coup, je le ralentissais en lui rentrant dedans et en le bloquant. Ça m'évitait de faire un voyage hyper long. En très peu de temps pour le retour. Par exemple, si je fais ça, je le ralentis forcément. Première infraction contre faire des jeans de haute couture, le plus ignoble de tous les crimes. Je vais plutôt vite pour un flic. Du coup, c'est plus vraiment de la filature. Hein. C'est. J'ai lu un nouveau commentaire, hein. Je regarde le chat après. Un point bon. Deuxième infraction. Renverser une personne âgée sans avoir son permis. Police. Putain. Quel con. Eh, d'habitude, il le fait tomber avant, là. Oh là 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 là, c'est niqué. Fais chier. Ah, un nouvel écouteur. Merci à toi, Sogmin66, bienvenue surtout. Tu joues à un vieux jeu. Ouais, je joue à un vieux jeu. Les Simpsons, il est un peu en train de ramer l'émulateur, malheureusement. Mais ouais, le dimanche, je joue toujours à des vieux jeux. Je l'annonce. Il est temps de passer à l'action. Pour l'instant, je suis un peu en train de galérer sur cette mission, comme tu le vois. Là, les missions du jeu commencent à être un peu plus compliquées. Voilà, ça leur apprendra. Regarde où tu vas. Oh, vilain.
infraction. Renverser une personne âgée sans avoir son permis. Je suis désolé, parce que je vois que tu m'as encore affiché un commentaire, mais je le lis pas tant que... Ma coiffure. Donc, je n'y arrive pas. Il a l'air hyper bien, je l'avais sur PS2. Ouais, bah moi aussi je l'avais sur PS2 du coup. Je l'avais fini à l'époque. Enfin à l'époque. Oui, si à l'époque je l'avais fini. Et je l'avais fini à 100% et tout. Puis bah je voulais le refaire en live tout simplement. Parce que généralement les vieux jeux que je refais c'est ceux que j'avais. Enfin il y en a que je vais faire que j'avais pas eu, hein, bien sûr. Par exemple avant de faire les Simpsons on avait fait Rayman. Sur PS1. Et ouais, j'avais aussi ce jeu sur PS2 et... Putain, je le trouvais excellent. Dégage de là, crapule. Allez, on peut y arriver. Ah, c'est faisable. Ouais, c'est bon. Troisième infraction. Il le lâche pas là, normalement. Non, il le lâche pas là. Je sais pas pourquoi il le lâche plus loin. À propos de ton frère, j'ai vu pas mal de types très mystérieux du gouvernement traîner sur les docks. Ils l'ont peut-être envoyé en croisière. Ils font des promos pas mal en ce moment. 5 buffets par bateau, tout compris. Merci, chef. En fin de compte, vous êtes un bon flic. Ah, tu dis ça comme ça. Oui. Ouais, j'ai gagné. Ok, j'ai gagné. Il reste combien de missions, juste par curiosité? Je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière. Non, dernière, ok. Ouais, normalement, il le lâche pas là, le dernier... Pourquoi je vais remonter là, c'est pas tout ma caisse. Le dernier indice, je suis d'accord avec toi, je sais pas pourquoi il le lâchait là. Pour me faire chier, voilà. Je vois que ça. Tu peux déposer une sœur, quelque part? Fais attention. Oula, qu'est-ce que vous faites dans ma voiture, là? Pas très dur, là. On va retrouver Bart. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. J'espère qu'ils sont recyclables. Allez, on va parler au capitaine. Le chef Wiggum a dit qu'il se passait des choses bizarres par ici. Vous n'avez rien remarqué d'étrange? Vous savez, comme des grosses voitures noires, des gars avec des lunettes noires. Yar, j'ai peut-être vu quelque chose, et j'ai peut-être rien vu. Rends-moi un service, et je retrouverai peut-être la mémoire. Quel service? J'ai là toute une cargaison de maquereaux frais. Tu peux emporter le poiscaille dans les meilleurs restaurants de Sweetport? Pauvre poisson! Je veux dire, bien sûr, je vais vous aider. Tu pourras jouer aux Simpsons le jeu. Les Simpsons le jeu, je me rappelle que j'avais tenté de le faire à l'époque. Et je m'étais bloqué comme un con dans le tuto. Donc je m'interdis pas de le faire un jour, hein, vraiment. Mais c'est pas prévu pour l'instant. Je sais que quel jeu je vais faire après celui-ci le dimanche. Je le dis, je suis un pro. Ah non, moi je m'étais bloqué. Bah, au tuto, quand Homer il est dans le rêve où tout est en chocolat et qu'il faut chasser des lapins, je sais plus comment je m'étais bloqué là-dedans. Et j'ai jamais réussi à me débloquer. J'ai dit, allez, vas-y, pars-toi. On va y arriver. Je connais tout. Moi c'est pareil, mais pour celui-ci. Livraison d'un beau poisson dans un joli foyer. Ouais, c'était dans le premier niveau que je m'étais bloqué, mais je sais pas. Je sais pas comment j'avais réussi mon pouvoir, sincèrement. Et il y a une belle vie! Je me demande si j'aurai une prime à l'arrivée en échange. Je me rappelle plus du tout du délire de ramasser les poissons. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas s'il y a un trajet optimum ou pas. La honte. T'es pas allé loin? Non, je suis pas allé loin du tout. Mais je te dis, je l'ai essayé. J'ai été bloqué, ça m'a saoulé. Je suis parti. Mais j'ai conscience que je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais. Non, ça m'a... Je pouvais pas. Non, le prochain jeu qu'on fera le dimanche, après celui-ci, je l'annonce du coup, on va partir sur Donkey Kong, un classique.
Parce que j'ai envie un peu de varier les consoles, j'ai pas envie de présenter que des jeux de chez... Enfin, qui sont sortis sur PlayStation, même si cela c'est une version GameCube. J'ai envie de faire des exclusivités un peu Nintendo aussi. Il y en a un dans le motel, l'autre pour Skype, chier. Je sais pas si... Si je le prends pas, je vais le tenter, parce que maintenant il m'a suivi beaucoup de temps. Est-ce que il y en aura un en rab plus loin? C'est perdu, c'est tellement perdu. Il est temps de bouger. Putain, il manque que 5. Le pire niveau, c'est celui avec la mascotte de Dodge. Bah je sais pas du coup. Je te fais confiance là-dessus, mais sincèrement, je sais pas. Je l'ai pas fait du tout, du tout. J'ai. Je dis niveau 1, j'ai abandonné parce que je m'étais bloqué comme un con. En gros, c'est un boss, d'accord. Mais ouais, bah déjà, c'est. Le jeu change pas mal de celui-ci parce que je sais que les Simpsons, pas mal des jeux qu'ils avaient sortis, le principe c'était. Enfin, le cœur du gameplay c'était vraiment la conduite. Que là, c'est plus un jeu d'action plateforme. Et je crois qu'il y a un délire que c'est des super-héros aussi, non? Je suis pas sûr de ce que j'ai dit. Vous ne serez plus jamais pris ni servi avec de la sauce tartare. Oui, d'accord. La prochaine fois, fais attention, fille. Retournez à la vie sauvage. Par exemple, un jeu Simpson qui était sorti peu de temps après celui-là, c'était Rod, je sais plus quoi. Simpson, Rod, je sais plus quoi. C'était un taxi, le jeu là où, je l'ai dit la dernière fois, ah voilà, un Crazy Taxi, mais nul à chier, terriblement nul, celui-là, Simpson, après Simpson le jeu, bah je sais pas trop, parce que j'ai abandonné très vite, parce que j'étais nul. Bonjour les ceintures de sécurité. Moi j'ai galéré sur Ethan Run avec Marge. Ben moi j'ai le souvenir du moins, parce que je vois que je galère un petit peu partout maintenant, enfin un petit peu partout. Je commence à galérer ici, que j'avais surtout galéré au dernier niveau, qui est avec Homer aussi, hein, du coup je spoil un peu les gens qui nous regardent. Mais sinon ça allait quoi, c'était pas... Ah, ça passe. Oui, de ouf. Ouais. En plus, sans vouloir spoiler, s'il y a des gens qui nous regardent, les dernières missions qu'il y a avec Homer, les 2-3 dernières, je crois, ils ont fait fort. Je dirai pourquoi la prochaine fois, enfin, quand on y sera. Mais ouais, ils ont fait fort. Ouais, je sais pas si je prenais le raccourci, si c'était bien ou quoi. De toute façon, j'ai le temps. Bravo. Pour une mission. Enfin, je répare ma caisse quand même. C'est ça. Je vais pas lire le commentaire comme je disais parce que. Encore quelques-uns. Pour ne pas spoiler les gens qui regarderaient éventuellement la rediffusion. Mais c'est exactement ça. Ce truc là est terrible aussi. J'espère que c'est recyclable. Ah, j'ai réparé ma voiture, mais il faudrait que je la re-répare. Je suis DFS. Terrible. C'était efficace. Allez, la dernière mission. Merci d'avoir livré la pêche du jour. Maintenant, je peux te le dire, j'ai vu ton frère. Vraiment? C'est dément! Il était dans une longue limousine noire. Oui, loin, elle est partie. Coucou, Springfield! Ah, il faut que je défonce la limousine. Ah ouais, mais il fallait me le dire avant, je m'en rappelais plus de ça. Moi, je vais prendre mon bus, si c'est ça.
Voulez-vous vous quitter? Bah non, c'est c'est annulé. Ouais. Prendre un bus, ça va être vite fait. Oula, il est endommagé. Il n'y a pas une clé dans le coin aussi. Merci à toi, Stray Kid. Alors, Stray Kid Chan, j'espère que je le dis très bien, ton pseudo. Merci à toi. Bienvenue chez les écouteurs. Oui, il y a un délire suite à Life Fortnite. Maintenant, mes followers, je les appelle mes écouteurs. C'est une longue histoire. Je préviens pour les nouveaux. Ok, c'est par là. Ok, mon bus il est là, tout est bien. Ouais, on l'a déjà entendu, lui. Il est temps de passer à l'action. Toi, tu iras pas bien loin, j'ai l'impression. Bonjour les ceintures de sécurité. Je vais te défoncer. Plus de vitesse. J'ai besoin de vitesse. Plus de vitesse. Oh, douce vitesse. Ah. Il a réussi à se frayer un chemin. Oui. Ouais, il est quasiment cuit. J'espère qu'il va pas en avoir 30 à détruire par contre là, parce qu'ils aiment bien faire ça. Ah, c'était pas trop prévu. C'est mon deuxième compte, d'accord. C'est parce que j'imagine que t'as un compte viewer et un compte follower, non? Moi aussi j'utilise un compte viewer et un compte follower. Un compte streamer et viewer. Non, d'accord, ok, je pensais. Compte viewer et follower, ça n'a pas de sens du coup. Mais merci à toi. Oh bon sang, j'ai détruit la limousine et tu es Bart. Bart n'est pas un meurtrier. Il n'était pas dans la limousine. Il est sorti et il a embarqué sur ce navire. Vous pouvez m'y emmener? Ah, je vais la mer. Bah, après, j'ai quand même tué le chauffeur. Je sais pas si du coup c'est un bail de garder le bus. Mais... Ah oui, il est sur le bateau, je m'en souviens. Tu joues sur quoi? Sur émulateur, c'est pour ça que ça bug. Je sais pas trop pourquoi ça bug d'ailleurs. Parce que j'avais fait il y a un an ou deux, sur émulateur aussi, le jeu Les Simpsons. Parce que j'avais envie de le refaire. Et je l'avais trouvé en bonne qualité, la version PS2. Et là, je l'ai téléchargé à version PS2 et genre tout ramé, tout était au ralenti. Et là, bah, il y a eu aussi une baisse de FPS pour une raison qui m'est inconnue. Yes! Bah, j'ai l'impression que c'est ruiné là, non? À moins que je reprenne une voiture plus rapide. Me redonnera des forces. Ça devrait le faire. Chez moi, ne font pas de l'autostop comme moi. Fais un peu la gueule, mais ça devrait le faire. C'est la pire ville. Allez, ma grande, tu peux le faire. En plus, on y a été 100 fois sur ce bateau pour ramasser les collectibles et tout là. Allez. Après niveau avec Marge, c'est ça. Mais là, je crois qu'il va y avoir une cinématique aussi. Berlin. Berlin. Bart, secoue-toi. Il faut que je le réveille. Bart, t'as quel âge? C'est quoi ton slogan préféré? Tu peux te brosser. Ça sert à rien. Son cerveau est encore plus fêlé que d'habitude. Tout ce que je peux faire, c'est te ramener à la maison et te trouver une couche. Je préviens d'avance les cinématiques bugs sur l'émulateur.
Je sais pas pourquoi. Encore une fois. Oui, vous regardez la partie, oui. Ah non, c'était peut-être pas là qu'il y avait la cinématique du coup. Non, ouais, je suis désolé. En plus, les cinématiques, elles sont tellement bien, elles sont bien faites. Mais du coup, non, c'était pas là, la cinématique. Je sais quand ça sera. Allez, la musique met un peu de temps à arriver à chaque fois au début. Je vais annuler en fait, je vais aller me balader pour faire des trucs secondaires comme d'hab. Parce qu'on va faire le 100%. Quand tu annonces que tu live sur Twitter, mets le lien avec ton stream, sinon c'est chiant. Ah, mais salut à toi du coup. Putain. Salut à toi le cagoulé aussi. Mais ouais, en fait, je l'annonce sur Twitter. Mais il faut savoir que c'est Toby qui gère ça maintenant. Et je l'ai mal réglé alors. Je pensais qu'il y avait bien. Comprends, tu fais pas ramasser la carte s'il te plaît. Tu vas y arriver. Oui, je sais que je vais y arriver. Je n'en doute pas. Alors. Splendide sur notre dessus de chemise. Voilà, les gags. Ah oui, c'est vrai qu'on peut aller dans la chambre de part. Le gag. Ah, c'est le gag. Non, du coup, je reviendrai un petit peu à ça après pour que Toby il annonce les lives d'une façon mieux que ça. Parce que s'il met pas le lien, effectivement. Ça, je crois que j'en aurai besoin pour une mission. De toute façon, je vais acheter toutes les tenues donc. Pour le 100%. Marche classe. Je sais plus c'était quoi derrière. Policier. Non, on peut pas l'acheter, j'ai pas assez. Allez, prison. Alors, j'autorise le commentaire. On voit ton god derrière toi, fais gaffe. D'accord, je vais ranger ça tout de suite. Merci quand même de me le dire. Non, on rigole, mais c'est pas marrant. Du coup, il y a quoi à faire ici? Mission bonus, oui, course de rue, carte à collectionner. Gap, il y en a 20 et il y a 15 gags. Ça, je sais pas. Tourne du bouton, je crois. Oui. Un deux capteurs en moins. Très bien. On ramasse de la moula pour acheter les véhicules et les tenues. Parfait. Du coup, on va aller dans le jardin de Flanders, il doit encore y avoir des gags et tout à faire. Je te jure, normalement, je suis plus performant. C'est mieux le live avec ta cam, faudrait faire un overlay pour améliorer la vue de ton stream. Ouais, je sais, je sais. Je sais, mais je me développe petit à petit, on y va étape par étape. Là, j'ai fait un gros effort avec la cam à chaque stream. J'ai mis mon Wizbot là du coup qui s'appelle Toby qui m'informe pour les followers et tout. Ah, les écouteurs du coup. En vrai t'es beau gosse. Merci. C'est très aimable. Oui, tout ça. On va, je vous le dis, on part en exploration, faire les gags et tout. Allons-y! Normalement, c'est cette maison-là, si on ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Donc voilà, comme vous le remarquez, c'est la même map que le niveau 1 avec Homer. Sauf que c'est de nuit. Et du coup, maintenant, les maps, elles vont se mettre en boucle. La prochaine map, et ben, ce sera la même que celle avec le niveau. De Bart, celle d'après niveau de Lisa, vous avez compris. Alors, je
content que l'émulateur il bug moins d'un coup. Ça fait quand même plaisir à voir. Y'a rien là dans son jardin à part le gamin. Déçu. Il y a une course pas loin, je pense qu'on va la faire tout de suite. Bon, par contre, elle a clairement. Et puis il y a la mission bonus, ok, il y a plein de choses à consulter. La musique est hyper cool. Ouais, la musique du jeu est très très cool. Je suis d'accord avec toi. Comment ça va? Les bonbons, ça me rend heureux et après ça me fatigue. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de le frapper derrière la maison. Maman dit que tu devais faire la course. Hey. 6, 12, 1, partez! Oula, ça a l'air. Ah oui, je me rappelle de ces courses avec ce véhicule de merde. Envoyez la facture à Homer. J'espère que ça n'appartenait pas à quelqu'un. C'était mal engagé. Puis il m'est repassé devant alors que lui il a pas pris le raccourci. Regardez ailleurs, y'a rien à voir ici. Je sens que je vais galérer encore sur ces courses là, ça va me saouler. Putain, c'est chiant à manier. Parce que les véhicules sont de plus en plus rapides, donc forcément plus chiant à manier qu'avant. J'espère qu'il y en a plus d'autres. Ouais, la voiture, lui, elle va hyper vite. C'est la voiture du professeur Fring, si je me trompe pas. Et par contre, du coup, ce que je disais la dernière fois, que les véhicules que tu affrontes dans les courses, c'est ceux... du personnage du niveau d'après, bah là non, le niveau d'après c'est pas avec le professeur Fring, c'est avec quelqu'un d'autre. La théorie ne se tient plus pour ce niveau là. Ouais. Oui c'est ça, ouais, donc c'est bien ce qui me semblait, ça veut dire du professeur Fring. Mais ouais, sa voiture elle va hyper vite et tout. Allez, pas de conneries, tu vois. Il me repasse devant. Que personne ne m'a vu. Et comment c'est ça, je suis. Ah, je vais passer à la première place. Non, rien du tout. Tu dois fermer ta gueule. Ouais, pire que moi. C'est moi aussi quand je dis un truc, ça m'arrive. Je suis en PLS. Allez, allez, allez. Ouais, la petite chute de FPS, c'est pas vraiment habitué. Bon sang, c'est pas très gentil. Allez, bordel. Ah, le désastre que c'est! Oh non, bah, c'est perdu. Je pense qu'on va l'annuler et on fera ça après, à tête reposée. Alors, j'ai un commentaire à autoriser qui est Fuck Ralph. Très bien. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Fuck Ralph. Ça va être difficile, oui aussi. J'en veux plus. Alors, j'ai vu qu'il y avait une carte et tout là-haut. On va aller chercher ça tranquille. On va explorer tranquille, on verra pour les courses après. Mmh.
Merci à toi, Stray Kids 66. Bienvenue chez les écouteurs. Merci beaucoup. Du coup, il n'y a plus une seule pièce. Troisième compte, d'accord. Merci à toi. Un peu de pièces. Est-ce que c'est Gilles qui est là-bas? Ouais, j'ai bien l'impression. Ah non, c'est Willy le jardinier. Willy, qu'est-ce que vous faites ici? Faut que je vende mon tracteur à Dory. Mon père s'est fait jeter en tôle pour vandalisme et j'ai pas d'argent pour sa caution. Eh bien, c'est vrai qu'un tracteur me serait utile pour ramasser les bouteilles vides d'Homer. Alors, ça, c'est le véhicule que j'achète pour une mission. Plus tard. Nouvel écouteur, le cagoulé, merci à toi. Le cagoulé. Merci, merci à toi, du coup. C'est méchant. Mais j'aime cet humour. Ah. Je m'en fous, j'ai atteint un de mes objectifs que vous voulez là au bout de ma chaîne. Le prochain c'est JDG et après je suis. Je me rappelle plus c'est combien la tenue qui me manque. Puis en plus il faut encore que j'achète des véhicules. Les pièces commencent à manquer. Pourquoi on est des écouteurs et pas des casques? Alors, je le disais tout à l'heure, en gros c'est un délire qui est parti sur un live Fortnite. J'ai invité Teddy. Et on avait un problème avec le fait d'entendre tout le monde sur le live. Donc on a été obligé de quitter la partie PlayStation et tout. Bref, je vous passe les détails. Et après, j'ai proposé qu'on revienne en partie pour qu'on entende tout le monde. Et il m'a dit, oh ben tu sais, on s'en fiche, c'est pas important, je pense que tes écouteurs viennent pour entendre ta voix. Et du coup, on s'est un peu foutu de sa gueule. Et on s'est dit, oh, on va garder le terme écouteur, c'est très drôle, c'est cool. Voilà, enfin c'est très drôle, c'est cool. Ça, dit comme ça, voilà. On... Faut que je suive plus de cours de fait. D'accord, peut-être. Voilà l'origine du terme, écouteur. Qui gagne en 1v1 entre Teddy Riner et un hippopotame? Pour moi, c'est Teddy Riner. 100%. La question ne se pose même pas, en fait. Alors, si je vais là... Qui gagne en 1v1 entre Teddy Riner et un écouteur? Un écouteur, évidemment, vous êtes tous musculeux. Hein. Si vous êtes là, c'est pas pour rien. Restez calme, les élèves. Tout est normal dans l'école. Mon autorité en tant que proviseur est totale. Est-ce que je peux l'acheter, ça? Ou non, 400 pièces. Ok. Et si Teddy Riner est un écouteur? Bah, ce serait le boss des écouteurs. Tu peux renverser les gosses avec ta voiture? Mais bien sûr! En fait, c'est un peu un GTA-like, enfin, c'est pas encore totalement un GTA-like, mais ça se veut parodique de GTA. Et je peux garder le boss. Voilà, là c'est bon. Oups, je vous avais pas vu. Oups, je vous avais pas vu. J'aimerais souffler le titanesque. D'accord. Je vais essayer d'éviter de faire des commentaires comme ça quand même. Je tire ma chaîne. Oups. Euh...
Oui, du coup, qu'est-ce que j'étais parti faire? J'étais parti chercher les gags et tout, les guêpes, comme d'hab. Puis il y a une carte aussi. Ok. Ici me paraît être un bon endroit. On va déjà faire les gags Cookie Mark. Non, ça non plus, je l'irai pas. Est-ce que la cinématique va bugger? Oui. Merci pour le bien joué. C'est chiant que les cinématiques bug dans le jeu, par contre. Vraiment. Oui, donc il est là. Ah là où, Albert? Alarme silencieuse activée! Alarme silencieuse activée! Des petits pois congelés ont ralenti mon métabolisme. Je connais un peu le jeu, je sais pas si vous avez remarqué. J'essaye de changer de sujet. Il reste 4 gags et 11 capes. Merde. Je pense qu'il n'y a plus rien ici. Du coup, j'ai fait la moitié des guêpes. Ah oui, c'est vrai. C'est plus par là. Caméra, s'il te plaît. Voilà. On va y arriver. Ces gros cheveux là qui me... Je me trompe entre le bouton courir et donner un coup de pied aussi souvent. C'est ça qui freine ma progression, j'ai envie de dire. Allez. Voilà. Faut que je mette de l'oseille de côté là parce que... Encore plein de choses à acheter. Putain, il va falloir que je me fasse chier à remonter. Ah bah oui, oui. Encore une guêpe ? Elle doit être au-dessus. Je pense. De toute façon, celle-là en gros, j'avais pas été. Je vais aller la chercher. Putain de gros cheveux de merde. Ouais, c'est ça, ok. Quand même, essayer d'avoir la carte avant. Et merde. Passionnant, hein, pour le moment. On me voit sauter au même endroit depuis tout à l'heure. J'aime bien quand les lives sont comme ça. On me voit faire la même chose 30 fois. Les sièges, en vrai, je connaissais pas. Ouais, le jeu il est méga bien. Je l'avais sur PS2. Enfin, je l'ai toujours sur PS2. De toute façon. Et il est très très. C'est le meilleur jeu qu'ils ont fait sur les Simpsons, je trouve. Et il y en a eu des merdes. Hein. Beaucoup trop, mais. Normalement, là, je peux l'acheter la tenue. C'est pour ça que je reviens là. Mais je sais plus c'est laquelle de tenue qui va m'être nécessaire pour une mission, c'est celle de policière ou de prisonnière, mais je crois que c'est prisonnière, donc je vais me remettre tout de suite ça, pas perdre de temps. Allez, on y retourne.
Et le jeu, il est beaucoup plus stylé quand tu le fais soit sur un émulateur qui bug pas, soit sur une console adaptée pour, hein, finalement. Je le conseille. Là, il y avait un mur. Je voulais vous montrer que les murs résistent à la voiture. Après, attention, je me répète, mais je connais vraiment un petit peu tous les coins à aller et tout. J'ai une mauvaise coco, j'ai du mal à suivre le live, j'en ai gros sur la patate. D'accord, bah écoute, je suis désolé pour toi. Tu peux quitter le live à ta guise, hein, je ne t'en voudrais pas. C'est déjà très gentil d'être passé. Et puis merci pour le follow, tu es un nouvel écouteur. Faudrait que j'aille à la centrale nucléaire, peut-être, mais je sais plus si c'est par là ou non. Donc on va... Non, ça va me coûter cher. J'en ai plus rien à foutre quand je fonce dans tout le monde, quoi. Putain, c'est moi ou... Je crois qu'il transporte des trucs radioactifs en fait à l'arrière de son pick-up, le véhicule qu'on a vu là. Je crois pas qu'il y ait de gag dans la cour de récré. Ouais, par là il y a moyen de la rattraper la centrale. Là il y a une nouvelle course ici. Est-ce qu'on l'attend celle-ci? Peut-être que ce sera moins dur. Si tu gagnes une course, je te donnerai une voiture. Je m'appelle Marge, merci. Ok. 3, 2, 1, partez, bon sang. C'est d'accord. On est transporte totalement des déchets nucléaires à l'arrière de sa voiture. Par contre, vous me cassez les couilles, là. Cette voiture est une lenteur. Putain, mais cassez-vous. Quel mal poli. Ah ouais, mais du coup, l'autre, il est à perpète les bains encore. Ah, il s'est mangé un mur. Moi aussi. Donc voilà, ça, c'est le véhicule du prochain perso qu'on contrôlera dans le prochain niveau. Et du coup, ce sera Apu. Je sais pas pourquoi ils ont fait un niveau avec Apu au lieu de refaire un niveau avec un autre Simpson. Parce que on va avoir trois niveaux après celui-là. Le niveau avec Apu, le deuxième niveau avec Bart et le deuxième niveau avec Homer. Donc pourquoi pas, hein. Deuxième niveau avec Marge ou Lisa. Parce que bon, Maggie, c'est vrai que je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire avec comme niveau. Heureux. Bah, re-salut à toi, mon cher ami. Wow. Il va me repasser devant, le salaud. Ah, je peux peut-être. Oui. Au moins, ta vie n'aura pas été un gâchis total. C'est pas sérieux. Oula. Quel est le but de cette mission? Bah, c'était de faire la course. Ça se voyait pas, non? Regardez, il est là comme une merde. Ah, je me rappelle de cet endroit-là où on y avait été au niveau 1, il y avait rien, mais là j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Attends, je viens d'arriver. Oh, quand même, un effort, s'il vous plaît, monsieur l'armée. Ça se voyait qu'on était sur une partie de course endiablée. Oh non, pas encore un procès contre nous. Oh non. J'aime beaucoup cette musique de ce coup-là. Enfin, de cette map-là, du coup, parce que c'est la même musique que dans le niveau 1. Mais... Vous pouvez pas faire attention. Par contre, je te prêterai pas ma voiture. Mais c'est un détail, ça. C'est parce que c'est nécessaire. Que je fasse quelque chose de sympa avec ça.
Très bien. Ah oui, c'est vrai que maintenant il y a là-haut d'accessible, ça y était pas dans le niveau 1. Ça. Et dans Crash, t'en es où? Viens, on en parle pas. Pas envie. J'ai pas envie de parler de Crash. Ah oui, on peut y aller. Je sais plus trop qu'est-ce qu'il y a ici par contre. Une guêpe déjà. Il y a deux guêpes en fait. Là-bas il y a un mec. Ah oui, je me rappelle d'un truc ici qui est très chiant. Si je pouvais l'éviter. Date de quand ce jeu? 2003 si je me trompe pas. Je suis pas sûr de ce que j'avance, attention. Ah oui, il y a un bouton. Mais ouais, 2003 sur PS2, GameCube, Xbox aussi je crois, je suis pas certain. Mais je vois pas pourquoi il serait pas sorti sur Xbox, donc... Sympa le graphisme, il a été remasterisé. Non, il y a. J'ai vu un mec qui a fait un mod sur GTA V, par contre, sur PC. Je vous conseille d'aller voir. Il a appelé ça Remake 2020, The Simpsons Hit and Run, et en fait, il a refait la map. Alors, là, il a un costume d'Homer, il est dans une voiture qui ressemble à celle d'Homer, mais les gens, c'est des gens normaux. Et. Il a refait la map du niveau 1, donc c'est la même que celle-ci, du coup. Et c'est sublime à voir, c'est incroyable. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Mais il y a des jeux qui vieillissent assez bien quand même, mine de rien, hein, même sans ça. Celui-ci, je trouve qu'il vieillit assez bien. C'est pas exceptionnel graphiquement, mais il vieillit assez bien. Et il y a les jeux Bob l'éponge aussi, souvent vieillissent très très bien. C'est quoi le nom de la vidéo? Je l'ai plus, je ne sais plus. Mais je pense que si tu tapes The Simpsons Hit and Run Remaster 2020, quelque chose comme ça, je pense que tu peux tomber dessus. Et c'est incroyable, c'est fou ce que le mec a fait, quoi. C'est là que... Faut respecter les modeurs, hein, franchement. Il y en a qui ont du talent. Allez, ouais. Ah oui, effectivement, t'es tombé dessus. ça envoie du lourd. Hein. Mais après, du coup, je pense que bah, c'est pas facile à faire, mais c'est un peu dommage que ce soit des vraies personnes comme dans GTA et pas les personnages des Simpsons, quoi. Mais par contre, la map est refaite et tout, et ben, ça envoie du lourd. RTX on, quoi. De toute façon, je vais le faire dans les deux sens, donc arriver là au bout. Ah, c'est parfait, je voulais commencer dans ce sens là en plus. Je vais m'arrêter à pied après là-haut, voir s'il n'y a pas une guêpe qui traîne. J'ai fait cette course là? Ah, c'est avec l'autre connard, Professeur Frink. J'ai pas envie de la faire maintenant. Il n'y a pas une guêpe ici, vraiment, ça, sérieusement? C'est l'heure de faire marcher l'huile de cheville. Ça paraît un peu étrange. Mais pourquoi pas, hein. Normalement, je suis plus performante. Bon, bah, il n'y a pas l'air d'avoir des guêpes, ok. D'ailleurs, il me manque combien des guêpes? 4 gags, 4 gags, pardon, et 4 guêpes, très bien. On en voit le bout. Puis, j'ai pas regardé les cartes, mais je crois qu'il me manque une ou deux. On va le faire. Laisse-moi reprendre mon souffle. Voilà, je vais traverser la centrale nucléaire en voiture, il n'y a aucun problème. A chaque fois je le dis, mais ça me fait délirer, c'est bon. Oula. J'espère que ça n'appartenait pas à quelqu'un.
Voilà, on va faire un tour par ici. Normalement, il va y avoir des choses. Alors, donc, il va manquer 3 gags. Je pense qu'il y en a un à la sortie. À la sortie de la centrale. Je vais jouer avec ce truc. Ok, peut-être qu'ici. Bah, déjà, il y a une guêpe. Ok. Mais je veux voir s'il n'y a pas une carte aussi encore dans le coin. C'est possible. Ah mais merde, cette guêpe elle est pas totalement à hauteur du machin. Hein. Pour qu'il y ait des pièces sûres, c'est pas possible, il y a quelque chose. Dans le niveau 1 là, il y avait une carte là où je me suis cassé la gueule. Mais je pense pas qu'ils aient remis une carte au même endroit en vrai. Ah elle est descendue, c'est fort aimable. Allez, voilà. Après, j'ai une petite idée de où est-ce qu'il y a encore des choses par rapport au niveau 1 où on avait été et tout. Donc, voyons ce que ça fait. On va quand même essayer d'aller voir là-haut. Hein. J'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. Non, y a rien. Si je fais ça comme ça, peut-être. Non, y a rien. Ok, bon. Bon, très bien. Pas de temps pour la prudence. Donc là, voilà, je pense qu'il va y encore y avoir un gag. Sensiblement les mêmes, par contre, les gags à chaque fois d'un niveau à l'autre. Il y en a quand même quelques-uns qui diffèrent. Du coup, des gags, si je me trompe pas, il me manque deux. Et j'ai pas fait ceux à l'intérieur de la maison des Simpsons, mais il y en a déjà un. Les filles bien termineront. Ouais. Ouais, à voir à l'intérieur de la maison des Simpsons, du coup. Ah, c'est pareil là-haut du coup. J'ai carrément trop honte. Va me faire chier, c'est dire. Ah, mais non. Passer par là, ce serait pas utile. Continuer à aller là-haut, on va voir s'il y a des choses à prendre en route. Ok, il y a des choses dans le camp là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un coin que je peux conduire ici maintenant. Pas très utile. Hein. Ok, il m'en manquera plus que lui. Ok, pas se casser la gueule, mais ici, c'est pas trop lourd. Ah, il y en a deux, hein. Est-ce que c'est pas les deux dernières, tout simplement? Vraie question, hein. Je vais continuer par là avant d'aller descendre et de tuer cette guêpe. Bah, j'ai l'impression que... Ah, je peux remonter là, oui, très bien. Thank you.
Voilà, bah, c'était vraiment les deux dernières gaffes. Du coup. Je confirme, je ne vous le fais pas dire. Du coup, il manque quelques gags, et puis la dernière carte, et on est bon. Hein. Puis il va ramasser quand même de la thune pour les véhicules. On n'en a pas acheté à part celui pour la mission. Ouais, deux gags. Donc il y a deux véhicules à acheter, je crois. Une carte à collectionner, puis bah deux courses. Les deux courses, ça m'enchante pas, mais ce qu'on va faire après. Hein. Ouais. J'ai envie de mettre un petit billet, je m'en rappelle pas, hein, mais sur le fait que la carte elle soit là-haut, la dernière. Ça m'étonnerait pas. Chiant. Ouais, c'est parce qu'il faut pas faire de double saut. Bah, pas tant que ça, alors finalement, la carte ici. Ah bah si. Ah voilà. Donc là j'ai envie d'aller dans la maison des Simpsons parce que je me dis que bah, y a déjà au moins un gag je pense. Ça c'est là-haut pour aider Gilles. Ça vous ralentit d'avoir trois enfants. On va essayer d'aller aider Gilles. J'espère qu'on peut l'aider. Tu vas aider Gilles? Alors. Prendre la moins chère pour l'instant. Et il me faut 150, ok. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Gentil monsieur. Ah, rien n'est de travers, hein, sur mon écran. Oula, dérapage. Ok, t'as tué. Là, techniquement, il me faut juste les 350 nécessaires hein, pour ce niveau. Après, on aura tout. Si je me trompe pas. Hein. On aura tout en termes d'achat. Accélérant follement avec prudence. Oh, ça avait l'air cher. Ah oui! Je pensais plus non plus à ça, mais on va le faire. Monsieur l'homme, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai essayé de convaincre Agnès de venir se moquer des écoliers, mais elle refuse de sortir avec moi. Son fils intercepte tous les cadeaux que je lui envoie et il les cache à son bureau. C'est un abruti. Pourquoi ne pas aller les reprendre? Je le ferai, mais je ne suis pas une personne très mobile. D'ailleurs, je m'assois. Oh, je sais. C'est dur d'être dur. Écoutez. Si je règle ça pour vous, en échange, vous m'aiderez à m'occuper de certaines choses. Par les lunes de Zantor, c'est un pacte. Le lien est fait sous le sacre des chevaliers qui disent... D'accord, d'accord, j'ai compris. Chiche. Allez. Marge Simpson, à votre service. Entrez dans votre véhicule. Allez, Marge, reste fidèle au plan. Bon, pour l'instant, aller à l'école, c'est pas... C'était un accident. Ce qu'il y a de plus complexe. J'espère qu'il y en a plus d'autres. Ah, bah, faut vraiment que je ralentisse quand je suis dans les airs, quand je prends le tremplin, parce que... Avec ce véhicule-là, c'est... Je finis... dans la haie qui a une maison en face. Et la haie est très solide. Envoyez la facture à Homer. Ah, mais cassez-vous! Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Y'a rien à voir ici. Je me rappelais pas des missions bonus, c'est normal. Mais ouais, je vais devoir aller à pied à un certain moment. Ouais, c'est ça, là je dois y aller à pied.
Ça fait vraiment la meuf qui vient de s'évader de prison et qui est à moitié folle. Elle monte sur le toit d'une école. Elle a renversé 50 gamins au passage. Et il y a la police qui est en bas du bâtiment, quoi. Ah putain, faut que je retourne le voir. Ouais, mais je suis. Je ne suis plus dans mon utilitaire. Je te jure, normalement, je suis plus performant. Pourvu que cette voiture ne sente pas trop mauvais. C'est la tienne, si ça pue par contre. Je n'y peux pas grand chose. Ah là là. Je sais pas si ça va le faire, très sincèrement. Ça devrait aller, je pense. S'il n'y a pas de. D'embrouille sur le chemin, on va dire. Il était si loin que ça? Maintenant, ok. Oui. Aussi facile que de faire la lessive. Ben oui. Maintenant, je redeviens sarcastique. Voici mon numéro. Donnez-moi un coup de fil si vous voulez savoir mes théories sur les raisons pour lesquelles Krusty a disjoncté. J'ai gagné ? J'en avais aucune idée. Rien, je vais dévider. Je vais aller dans la maison des Simpsons, du coup, comme je le dis depuis tout à l'heure. Juste pour les gags, en fait. Je pense qu'il va y en avoir un dans le salon, qui est la télé, comme dans le niveau 1. Et je pense qu'il y a moyen qu'il y en ait un dans la chambre de Bart. Ça, et du coup, est-ce qu'il m'en manque plus qu'un déjà aussi? Il faut que je vérifie ça. Ouais, il m'en manque plus qu'un. Très bien. Faut que je suive plus de cours de FEP. Ouais. Ce que je pense, qu'à mon avis, dans la chambre de Bart, c'est impossible qu'il n'y en ait pas, quoi. Voilà. Merde. Mais je crois que c'est une de ces conneries de Krusty Klun en plus. Ah, voilà. C'est parce que j'étais. J'aimerais bien que c'était ça, mais j'étais trop près. Du truc de vêtements. Bon, bah là, les courses et les missions, hein. De toute façon, il reste plus que ça. Puis bah, acheter la dernière voiture. On va essayer de faire les courses quand même avant, truc le plus chiant. Je sais plus quelle course que j'ai faite, c'est celle de Mews ou Nelson. On va bien voir. Il faut que je la retrouve aussi, c'est con. Oh mon dieu! Bon, on va faire un petit tour en ville. Hein. Okay. Par là, il n'y a rien. Désolé. Là, il me manque 24 pièces, maintenant 23. Alors, puis après, j'ai le dernier véhicule. Camionero. Le véhicule est quand même moins cher. Que ma tenue de prisonnière. Ou de policière, je crois aussi. Ouais. Oh. Après, c'est un jeu vidéo. Du calme, Marge. Du calme. Ok, il y a une course là, mais je crois que c'est celle-ci que j'ai faite un peu. Ouais, effectivement. Donc c'est Milouz et Ralph. Ralph, on sait ce que c'est. Même si en vrai, je pense qu'en persévérant un peu plus, celle de Ralph devrait aller.
Bah tiens, lui. Donc Ralph, il est plus bon pour mes hanches de fermier. De l'autre côté de la ville. Bonjour Mélouse, qu'est-ce que tu fais ici? Patty et Selma m'ont piégé pour rembourser mes dettes. Alors maintenant, je dois faire leur boulot. Je parie qu'il se fait le caractère. Faut que tu gagnes ces courses et t'auras une nouvelle voiture ou quelque chose comme ça. Oh, j'en sais rien, je suis trop fatiguée. Ça a l'air marrant. Accroche-toi. Contre la montre, bon, ça va, non. Normalement. Les gaz d'échappement me font tourner la tête. Vas-y. 3, 2, 1. Ah, des enfants qui meurent, c'est rigolo quand même. Oups. Par contre, le circuit, j'avoue que je connais pas. Enfin, connais pas. Je me rappelle plus. Pas de temps pour la prudence. Ah ouais, ça va être bien galère en fait, je pense. Ouais, le problème c'est qu'il y a tellement de tremplins à prendre pour aller vite. Et bah, si tu les prends mal, c'est terminé quoi. Non, ça va me coûter cher. Oulala. La voiture qui fait la gueule. Et j'ai été la chercher dans Mad Max quoi, ma caisse. Je rappelle qu'il y a des gens à l'intérieur de ces pièces d'échiquier. Mais ils n'ont rien, C'est rien du tout, ça va. Ouais, je sais pas si on va réussir à... à faire le troisième tour. Hein. On va recommencer, hein, tant pis, mais pour ça. Allez, mon grand. Enfin, allez, ma grande. Mais... C'est vrai, les femmes ne conduisent pas très bien. C'est une lady. Ouais, non, c'est mort. Non, maman. Allez, on y retourne parce qu'on aime ça. Ces courses de l'enfer, par contre. Les gaz d'échappement me font tourner la tête. Ah putain, c'est long ça. C'était rigolo la première fois. 3, 2, 1. Allez, on est reparti. Je devrais faire plus attention. Oui, je suis d'accord. Allez. Je suis si gênée. Oh, je venais de la faire peindre. Putain. C'est d'accord. C'est pas évident. Hein. Ouais, et si je faisais ça en fait, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire hein, finalement. Pas prendre le tremplin. Moi je dis putain. J'en ai rien à foutre. Ah, mon derrière. Tu m'étonnes que tu dois avoir mal au cul à force de faire un petit peu bas. Allez. C'est cet endroit-là qui me fait perdre du temps à chaque fois. Bon, voilà, je prends pas le tremplin. Je sais pas si c'est la bonne technique, hein, mais on verra. J'ai l'impression que j'ai déjà un peu plus de temps quand même pour boucler le tour que tout à l'heure. Je devrais faire plus attention. Je fais de la merde aussi.
Allez, ma grande, tu peux le faire. Je ne suis pas très doué. Quoi? Je ne suis pas très doué. Oui, d'accord, t'es pas très doué, mais là, je pense pas que t'es en partie responsable de tout, quoi. C'est mort. Mais c'est mort à cause d'une connerie, quoi, sérieusement. C'est quoi ça? Ça m'est jamais arrivé. Les gaz d'échappement me font tourner la tête. Vas-y. C'est long. 3, 2, 1. J'ai encore du mal à digérer ce qui vient de m'arriver. Hein. Enfin, je vous avoue. Je vous l'accorde aussi, avec plaisir. Chiant, hein. Voilà, j'ai la même trajectoire que quand il y a eu mon bug hein, là-dessus. Pourquoi là j'ai pas bugué? Enfin, pourquoi ça a bugué tout à l'heure surtout? Rien compris. Je pense qu'il faut vraiment ralentir un max comme je viens de le faire là, à l'endroit où. Où je galère depuis tout à l'heure. Là, je devrais peut-être utiliser un peu plus le dérapage. Là aussi, on va le faire d'ailleurs. Ouais, mais la chute de FPS qui tombe au mauvais moment. Ça ne buguait plus, mais ça bug là où il faut pas. Ça va, c'est pas terrible encore en fait, hein, mais ça va. Reste zen. Putain, allez, vas-y. Je crois que je suis parti en sens inverse. Putain, mais quel enfer ces courses, quoi! Les gaz d'échappement me font tourner la tête! Vas-y! 3, 2, c'est long! Chaussures sensibles au métal. Qui a mis ça là? C'est cool, maintenant vous pouvez voir mes têtes que je fais en direct, la réaction que je peux avoir. Vous pouvez me voir moi vénère, moi vénère, moi vénère, et moi vénère aussi tendre. Hein. Plus rare peut-être, mais. C'est une chose qui arrive. Putain, est-ce que je l'ai bien pris ce virage? Le problème c'est que voilà, là je suis en train de pas parler, je vais réussir le truc, mais bon à chaque fois, bah le live il devient chiant parce que je parle plus quoi. Bah puis là je parle et bah j'y arrive plus. Mais là, vu le temps qui reste, je pense que c'est mort. Encore une fois. On va le tenter hein. Putain, ces courses de merde. C'est la même chose à chaque fois. Mais pourquoi t'as le véhicule qui fait des mouvements improbables quoi? C'est. Là,
Ouais, ben non. C'est dead, c'est mort. Faut que je le prenne, ça, je pense, en vrai. Voilà, là, je l'ai bien pris, par exemple. Je sais pas, on va voir. Faut tenter des choses. Les gaz d'échappement me font tourner la tête. Vas-y. 3, 2... Allez, ça arrive. On n'en va encore. On va essayer de pas parler encore. Tu me déçois vraiment. Je ne suis pas très doué. Putain! Il y a plein de gens qui ont des piscines. Je reviens. Je vais faire une petite pause toilette, tout simplement. Je suis désolé, ça intervient de plus en plus, ces trucs-là, mais... Je vous dis à tout de suite. Alors, je vais couper juste mon micro. Il est où? Il est là. Me revoilà. Voilà. Donc, ça. Je réaffiche le jeu pour moi. Sinon, ça va être compliqué de jouer sans le jeu. Allez. Rejouer. Simplement. Maintenant que j'ai la vessie vide, ça va peut-être aller mieux. Sait-on jamais. Les gaz d'échappement me font tourner. Insupportable, ça va. C'est très drôle la première fois, mais après. Vas-y. 3, 2, 1. Je peux vous mentir, c'est très mal engagé, hein, vu ce que je viens de faire. J'en ai plein le cul, en fait, des courses de merde. Putain, y'a rien qui va, quoi. Ça me désespère, quoi. Désespère. Les gaz d'échappement me font tourner la tête. Vas-y. 3, 2. Un.
putain. Ça me saoule, ça me gave, mais d'une force là. Les gaz d'échappement me font tourner la tête. Vas-y. 3, 2, 1. C'est mon assurance. Du calme, Marge. Du calme. J'ai même plus la force de rager en fait. J'essaye de pas parler pour, je sais pas, avoir un léger mieux, quelque chose, mais non, rien du tout. C'est terrible. Les gaz d'échappement me font tourner la tête. Vas-y. 3, 2, 1. Ça sert à rien de pas parler, j'y arrive pas. Donc, autant animer le live et ne pas faire fuir les gens. Alors là pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Oh, j'espère que j'ai pas à payer pour ça. Ça va moins bien. Et putain, j'appuie pour freiner et elle s'en va méga loin, c'est ça qui est chiant. C'est ce passage là en fait qui me casse les couilles. C'est mort, c'est fini. La course est perdue. L'exigence que ça te demande, n'empêche. C'est fou. Putain. Et putain, fais demi-tour, c'est chiant. C'est méga chiant, j'en peux plus. J'en peux plus. Euh,
Les gaz d'échappement me font tourner la tête. Putain, vu le temps qui reste, moi je pensais genre que on finirait ça là ce soir. Je dis pas que c'est impossible. C'est au niveau de ce niveau-là. Et qu'on entamerait déjà le prochain niveau pour la prochaine fois. Mais à mon avis, le prochain niveau, on va pas l'entamer. Ou alors très très peu, quoi. N'attendez pas à ce qu'il y ait une difficulté aussi folle là maintenant. Après, il y a des choses plus difficiles. Hein. Là, tout de suite, maintenant, je préfère jouer à ça que à Crash Bandicoot. Hein. Ouais, non, prends pas le combat, toi. Je pense que ça reste encore la meilleure solution de ne pas prendre le tremplin. Parce que si je le prends bien, effectivement, le tremplin, ça va aller comme papa dans maman, quoi. Mais vu que j'arrive pas à bien le négocier, faut laisser tomber, faut laisser tomber. Allez, ralentis, ralentis. Dommage. Allez, ça va se faire. On part. Je sais pas, j'ai aucune idée de si c'est faisable ou pas là en fait. Bien ou quoi? Tiens, salut à toi, Ice Kaiser. Comment tu vas depuis le temps? Allez. Tranquille, MDR. Bah, tant mieux. Moi, ça va moins tranquille. Parce que j'ai dit bien, mais. C'est pas si tranquille que ça. Depuis tout à l'heure, je galère. C'est faisable. Je vois ça. Ouais, non, en fait, tu as l'air pas comme ça. C'était une broutille. Hein. Merci pour GG. Merci. C'était vraiment une broutille, hein, franchement. Trop facile le jeu. GG, merci à toi, Iwi Rose. Ivy Rose, pardon. J'essaye de pas écorcher vos pseudos à chaque fois. Mais faut savoir qu'en fait j'ai besoin de lunettes, mais que je les mets jamais. Donc je vois pas très bien le chat. Le jeu ça va, mais le chat, des fois c'est hardcore pour moi. C'est pas que je ne vous respecte pas ou que j'ai envie de vous embêter, c'est juste que j'ai du mal à lire. Ah, alors attendez, parce que là on a eu une. Petite ovation de GG. Je me demande qui a laissé ça ici. Mais il reste une course. C'est la moins facile. C'est les courses en fait, ça devient un cauchemar en fait. À partir du niveau de Lisa, c'est ça qui. Regardez ailleurs, y a rien à voir. Qui empêche la progression. Après, techniquement, les courses, je suis pas obligé de les faire, mais vu que je suis parti pour faire un jeu à 100%, on va m'arrêter en si bon chemin. Il était où ce connard de Ralph? Ah là 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 là, où est-ce qu'il est? J'écrase un peu des gens au passage, ça fait toujours plaisir. Ah, il est plus par là, je crois. Ouais, oui, parce qu'il était un petit peu après sa maison. Allez, du con, donne-moi ta course. Le petit Ralph Wiggum, comment ça va? Les bonbons, ça me rend heureux et après, ça me fatigue. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Deux horribles monstres, Patty et Selma ont dit que tu devais faire la course. C'est vrai que j'ai laissé ça alors qu'on l'a vu tout à l'heure, la cinématique, il y a longtemps. 10, 12, 1, partez! Allez. Le problème c'est que même quand je prends... Lui il prend pas les raccourcis, mais moi quand je les prends, bah ça m'avance quasiment à rien parce qu'il va me rattraper.
Ah, ça j'en étais sûr. Est-ce que du coup c'est une bonne chose de prendre ce raccourci là en fait, qu'à chaque fois je me prends en la haie. Et je ne parle pas de Jean-Luc. Oh mon dieu. Je devrais faire plus attention. Ok, non mais comment c'est possible de faire des choses comme ça en vrai? Ça fait 2-3 fois que ma voiture fait des mouvements très bizarres là et ça me ruine une course. Bon, même si c'était mal engagé là. Allez, on ralentit déjà. Ok, c'était bien négocié ça. Il est chiant avec sa voiture de merde, lui. Je sais pas s'il y a d'autres passages un peu... un peu comme celui que je viens de prendre. Quand elle dérape tout seul la voiture, c'est moi qui lui demande de faire tout ça. Oh oui! Oh, ce coup de génie! C'est vrai, les femmes ne conduisent pas très bien. On embrasse toutes les génies qui nous regardent. Pff, oh non, par contre là. C'est mort, hein. Oh mon dieu! Putain, elle est méga longue cette course en fait! Les courses sont horribles, quoi. Je le répète, mais... Ça ne devrait pas autant me plaire. J'ai pas fait mon ralentissement. Bah ouais, c'est moins bien. C'est pas dégueu, mais c'est moins bien. Putain, mais c'est quoi ce dérapage de merde? Camionero. Ouais, bon bah, le tremplin il est mort. Marge va passer à la première place. Pff, Marge, rien du tout. Trop long, vieux. Trop elle est comme moi, elle ouvre sa gueule trop vite en fait. Wow, y a plein de gens qui ont des piscines. Allez. On relance parce qu'on aime bien. Terrible. 6, 12, 1, partez! Oups. J'espère qu'il y en a voulu d'autres. Ah non, ça va me coûter. Yes, c'est pas mal ça. Pourquoi j'arrête pas de rentrer dans quelque chose? Ta gueule. J'en ai marre de l'entendre parler elle aussi. Je suis si gênée. On n'est pas encore au niveau de Lisa en termes d'agacement, mais... on se positionne bien. Je pense que celui que je... qui m'énerve le plus, c'est après. Je vais y aller tout de suite. Putain, mais c'est quoi ces mouvements de ouf qu'elle fait cette voiture, quoi? J'autorise le commentaire. Allez, The Bee. Hey, on va le faire. On va y arriver, on va y arriver. Moi, je crois en moi. 6, 12, 1, partez! Allez. Hello, je suis en retard, MDR. Ah oui, en retard de 2h21. Tu vas voir... environ 39 minutes de live. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Aïe.
Il y a eu du monde en plus, hein. Salut Allison. Ah ouais, salut du coup. Il y a pas mal de monde qui est passé, ouais, ce soir. Il y a quelques nouveaux followers aussi, je crois qu'on en a 4 ou 5 de mémoire, je ne me rappelle plus. C'est... très belle soirée, je vous remercie tous d'ailleurs, mes écouteurs. Ça me saoule, mais d'une force. D'une force. Il était rien. Ah si, si. Salut MWR. Oh, ça avait l'air cher. Ça veut dire quoi? Quel mal poli. Oh, j'espère que j'ai pas à payer pour ça. MDR, je pense. Oui, voilà. J'ai la confirmation. Je gagne. C'est incroyable. Putain, mais elle me casse les couilles et renverser tout ce qu'il y a sur son passage. Ça la ralentit. Putain, mais cette voiture de merde. Pour l'instant, je pense que c'est celle-ci la pire course qu'on ait à faire. Regardez ailleurs, y a enfin, qu'on ait eu à faire. Parce qu'après, il va en rester, évidemment. Accélérant folle. Pff, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Tu ça peut passer. Ça marche, ça marche. Mon cher. Mon cher ami Jean-Claude. Oh mon dieu! Le problème, c'est que je crois qu'il y a d'autres raccourcis, hein, mais je vois pas où ils sont. Voilà, ok. J'ai fait un parfait créneau entre deux trucs et je peux pas m'en sortir. C'est génial, mais c'est génial. Lui, de toute façon, c'est pareil, je pense que il va être devant tout le long de la course et il va y avoir un moment où il va se trouer. Et c'est là que je peux prendre le dessus. Ça va me coûter cher. Ça, plus les éventuels raccourcis que je dois prendre. Là, je pense. Oh, je suis si gênée. Tu me déçois vraiment. Ok, je pense que ça aussi c'est un raccourci à prendre éventuellement, mais quand je le connais bien. Moi je m'en fous, j'ai vu Spider-Man. Ouais, Spider-Man qui fait des entrées sur des musiques Star Wars, c'est original. Je sais que les deux appartiennent à Disney, mais c'est un sacré crossover là quand même. C'est pas le même de Spidey dont on parle, je te tiendrai au courant. Spidey très sexy avec poutre apparente, si tu veux tout savoir.
attention. Oui, le DJ, il a merdé, MDR, je sais bien, t'inquiète. Il a pas vu la vidéo, non, monsieur RFP, oui. Bah, je sais pas s'il a vu la vidéo, si tu l'as mis sur Facebook, oui, mais si tu nous l'as envoyé qu'en privé, bah non. 6, 12, 1, partez! Ouais, je précise aux écouteurs que... On parle de l'anniversaire d'un petit où Spider-Man a fait une intervention sur la musique Star Wars. Je le répète depuis tout à l'heure. Maudite fumée! Oh non, pas encore un procès contre nous! Mais putain! Tu m'as achevé. Qui t'a achevé, la vidéo ou moi? 10, 12, 1, partez! Je me demande qui a laissé ça ici. Ah! Putain, je suis payé sur du Star Wars. Ah ouais, non mais c'est... C'est quelque chose. Moi, j'essaie de me concentrer parce que c'est pas que ça me casse les couilles, mais un petit peu. Donc, je vais encore me mettre en mode je ne parle pas et ça va être chiant. 10, 12, 1, partez! Cassé, cassé! Oh, mais j'ai pas de poche. Je me sens nu. Je vais voir si c'est un raccourci par là. Rien du tout. Très jaloux. J'espère que ça n'appartenait pas à quelqu'un. Ouh! Affecter mon assurance. Comment tu fais ça? À moins d'être impoli. J'espère qu'il y en a plus d'autres. Je ne suis pas très doué. C'est incroyable qu'elle fasse des trucs de ouf ma voiture quand même. Vous êtes jaloux, voilà tout, oui. Un live spécial pour la Saint-Valentin en tête à tête avec Romain Beau. Pour la Saint-Valentin, oui, il y aura un live spécial, je jouerai au Simpson Iten Ren. Voilà, c'est tout. C'est la question que je me posais. Non, pour l'instant, du coup, j'ai pas prévu de faire quelque chose, un live un peu spécial pour la Saint-Valentin, mais en vrai, pourquoi pas. Je vois pas quel jeu pourrait se prêter pour l'occasion, enfin, un jeu que j'ai ou que j'ai moyen de streamer, quoi. Ça mérite la réflexion, je réfléchirai, du coup. Mais moi, on est dans le prix sur Farming. Farming, on en fait déjà mardi, n'insiste pas. On verra si on en refait dimanche ou quoi, mais ça m'étonnerait. On verra. J'ai pas à payer pour ça. Putain, mais quel bâtard! Faut que je devienne une vraie folle du volant. Les Sims MDR, mais non, les Sims, je vois pas en quoi c'est la Saint-Valentin, c'est juste. Tu veux que je prenne deux Sims et que je fasse. Oh, regardez, ils font crac-crac. Oh. C'est nul. C'est nul. Version spéciale si tu veux, les Sims. Génial. Alors. Je vais parler d'un jeu du coup que j'ai vu dans une vidéo du JTG, encore une fois, parce que JTG, un jeu en vrai,
Il y a un jeu qui existe qui fait beaucoup penser aux Sims. Enfin, c'est un Sims-like, hein. Et c'est Playboy. Si vous voulez tout savoir, Playboy sur PS2, un Sims-like en différent. C'est toi qui es nul. Pourquoi? Qui est nul? Qu'est-ce que j'ai fait? J'autoriserai le commentaire après. Putain. J'autorise le commentaire du coup. Ouais, je Playboy PS2. Non, c'est pas du genre GTA. C'est vraiment un Sims, mais Playboy. Tu arrives, tu gères ton manoir et tout. Tu dois nouer des liens avec les Playmates et tout pour les faire poser. Dans ton magazine, non, c'est vraiment un Sims, tu fais de la ta déco, non. Va voir sur YouTube Playboy PS2, c'est un les Sims mais Playboy. C'est un Sims like. Je ne savais pas. Ah bah écoute, je suis très intéressé pour ma collection. Ah merde. En vrai, je sais même pas combien il est coté ce jeu, parce que honnêtement, quand tu vas dans un cache ou quoi, c'est pas le genre de jeu que tu croises hein. Mais du coup, c'est pas du tout un GTA hein, c'est un jeu des Sims. Ou alors c'est pas le même jeu dont on parle, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a plusieurs jeux franchisés Playboy, j'en sais rien. Mais les mouvements de cette voiture qui veulent rien dire, quoi. Il m'attrapera jamais. Mon Dieu. Ah, je vais passer à la première place. Mais oui. Bien joué, Marge. Tu prends enfin ta vie en main. Quand Rudy m'a donné la PS2, il m'a donné tous ses jeux. Ah, il avait ça, petit coquin. Non, mais en vrai, faudrait qu'on regarde à combien il est coté, ce jeu. Sincèrement. Je dis pas qu'on va le revendre ou quoi, hein. Mais je le croise pas souvent quand je vais dans des caches ou quoi. Après, c'est parce que je recherche non plus. Mais... Bien joué, Marge, tu vois. Tu pas enfin ta vie en main. Tu prends, j'imagine. Ouais. Marge, c'est un peu une femme indépendante. Allez, je dois aider Gilles pour la dernière caisse et puis on finit niveau là. Prends, oui, bah, j'avais bien compris, t'inquiète pas. Bon, je sais pas si on va finir le niveau ce soir, mais en tout cas, ça prendra pas longtemps au prochain live normalement. Mais moi, il me faisait penser à GTA. Ben, c'est peut-être pas forcément le même jeu alors. Faut voir s'il y a plusieurs jeux Playboy. Moi j'en connais un, parce qu'il y en a plusieurs, hein. C'est pas. Mais non, il y a un jeu Playboy, celui dont je parle en tout cas, c'est les Sims complètement. J'espère qu'ils vont bien. Donc à voir. Ah, il est là, Gilles. Ah, c'est agréable d'être hors de la maison. Le loup est à la porte de ce bon vieux Gilles. 3 pièces, putain, il va falloir en collecter pour les prochains niveaux. Abusé. Oui, mais c'est pas ça que je cherche. Je vais regarder un petit peu où on en est à leur progression, voir si j'ai bien tout fait. 1, 3, 7, 3, 5, 20, 15, ok, on a tout fait. Mais ouais, du coup. Bah du coup on va chez les Simpson pour parler à Bart. Ça vous dit. Mais du coup, si vraiment toi il te faisait penser à GTA et qu'on parle pas du même jeu, ce serait très intéressant de voir ce que ça donne à un GTA-like version Playboy. J'imagine que ça doit pas être terrible, mais ça fait vraiment avoir.
Allez. Oh, Bart, mais dans quelle langue tu parles? Mon mignon petit fiston a l'air d'être devenu fou. Comme toute la ville d'ailleurs. Des caméras de sécurité, des camions mystérieux, des cercles dans les blés. Il doit bien y avoir une relation. Peut-être que la police sait quelque chose. Du coup, vraie question, est-ce que vous entendez bien ma voix et le son du jeu quand il parle dans le live? Parce que quand je regarde les rediffusions, j'ai regardé la première, parce que je regarde toujours pour savoir s'il y a un problème ou quoi. On n'entendait pas bien le son du jeu, et sur la deuxième, du coup, j'ai voulu régler ça mieux, on n'entendait pas bien ma voix. Donc, je fais quelques réglages en début de live, mais est-ce que c'est ça? Putain, la police n'a pas le temps. Et il roule vite en fait, ce connard. Bah voilà, c'est perdu. Je ferai de mon mieux. C'est chiant, elle commence pas dans sa voiture, c'est immense. C'est bon, il est là, le machin. Ah, c'est parce qu'il va y avoir une deuxième partie de mission, j'imagine. Chef Wiggum, il faut que je sache ce qui est arrivé à Bart. Vous pouvez me montrer où est le cercle dans les blés? Il doit bien y avoir un indice pour soigner Bart. Ah, c'est mignon. J'aimerais bien vous aider, mais je suis vraiment en manque de sucre. Le magasin de beignets est fermé et j'ai un singe sur mon dos qui justement hurle pour en avoir. Ah, oh, qu'est-ce qu'il peut hurler? Ah putain, la police te demande de foncer dans un camion de beignets, quoi. Je ne suis pas très doué. Pas de temps pour la prudence. Qu'est-ce que c'est chiant ces missions-là maintenant en fait? Putain, mais on se tourne autour, quoi. Camionero. Allez, ramasse-le. Voilà. J'imagine qu'il va falloir que je me tape leur tour aussi, avec le temps qui reste. Je l'imagine bien, je sais pas, mais... Les filles bien, termine rapidement. Putain, il m'en manque un, quoi, et il est déjà parti loin. Il est là. Il est pas si loin que ça. Ah voilà, faut que je me fasse le retour, fais chier. Putain, mais je vais te livrer tes beignets, connard, ne m'arrête pas. Je suis un putain d'Uber Eats qui défonce des camions, quoi. Putain, mais cassez-vous, vous m'emmerdez. Il y a plus de voitures, en fait, j'ai l'impression, c'est... surprenant. Après, faut se dire que techniquement, j'ai pas fait beaucoup de distance vu que je passe mon temps à rentrer dans le mec et reculer et tout, et que c'est faisable du coup. Ça va me coûter cher. Ouais, c'était faisable. C'est
Ouais, j'ai le ramassé à faire après, écoutez. Pour une ménagère super occupée, vous obtenez de bons résultats. Ce cercle dans les blés à la cabane de Clétus. Maintenant, excusez-moi, mais j'ai un camion de beignets à manger. Il va me falloir beaucoup de café. Je me suis entraîné sur le skate de bar. Allez. Très bien. Tu ferais mieux de te sauver. J'aime bien quand il me reste plus que des missions à faire, c'est cool, c'est détente. Vous pouvez pas faire attention. Je gueule, mais c'est détente. Les huissiers ne vont pas aimer ça. Je suis si gêné. Par contre, faudrait que je... Ma conduite, ouais, faut que je révise un peu ça, peut-être. Je suis légèrement mauvais, je pense. Très léger. Après. Ouais. Dis-moi tout. Excusez-moi. Je m'en fiche que vous soyez New York. Vous prendrez pas de photos de notre décrépitude pour un magazine. Pas question. Non, que tu sais, moi, Marge. Marge. J'y connais rien, mais il vaut être 1€ et 80€ sur Internet. Je comprends pas avec le il vaut être, du coup. Oh. Désolé. Triste journée pour les personnages génériques du monde entier. Je voulais que les tues s'est ramassé ses affaires. Les filles bien terminent rapidement. Et du coup, tant que vous êtes là, parce que vous étiez là tout à l'heure, mais vous me répondez pas. Vous m'entendez bien et vous entendez bien le jeu, du coup, sur le live. Ça, pour régler la prochaine fois. Hein. J'en ai marre d'avoir la flicaille au cul à chaque fois aussi. J'irai les éventuels commentaires après. Hein. Du coup, là j'ai pas trop envie de foirer la mission, même si je pense que. Ça peut se foirer très vite. Cassez-vous, 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 n'emmerdez pas. Putain, ils vont m'emmerder. Putain, il manque un objet, puis je vais le perdre. Reste fidèle au plan. C'est fini. C'est mort. Quoique. 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 Il a fait tomber un objet en arrière, ce bâtard. Ah, ça va. C'est beau. Alors, j'y connais rien, mais il vaut entre 1€ et 4€. Bah, ça dépend, du coup, soit c'est un connard, donc oui, j'imagine que c'est pour le fait qu'on m'entende bien. C'est peut-être un connard qui connaît rien aux jeux vidéo, qui le vend. Ah, et c'est quoi le prix que tu as vu le plus circuler? Juste pour ça. Faut que vous m'aidiez. Je dois savoir ce qui est arrivé à mon garçon. Désolé, je croyais que vous étiez de la ville. Mais je vous dis rien jusqu'à ce que vous nous ayez aidés avec la récolte. La récolte? Oh, il vaut mieux que je me change si je dois travailler dans le jardin. Ou ma prochaine mission consistera à enlever la boue sur mes vêtements. Ça dépend de l'état aussi. Entre 60 et 70 balles. Ouais, 1€, ça se trouve, il l'a mis. Et t'as pas regardé, mais c'est un truc aux enchères. Ou alors il n'y a pas la boîte. Ou alors il n'y a que la boîte.
Tu sais, il y a plein de possibilités. Ou alors, il y connaît rien. Mais du coup, oui, bah, l'estimation. On peut estimer le jeu entre 60 et 70 euros. Après, c'est peut-être eux qui s'alignent sur le connard qui connaît rien et qui le vend à 80 balles aussi. C'est toujours un peu délicat d'estimer un jeu vidéo quand tu connais vraiment pas trop trop de bordel, quoi. Et des clétus à faire des paquets de ketchup pour l'hiver, attends. Je vous déconseille de rester sur mon chemin. Je devrais faire plus attention. On a besoin de paquets de ketchup pour nourrir des gens pendant l'hiver. Aidez-moi à les apporter. Oh là, dommage que j'ai... Je suis d'accord, le ketchup l'hiver, c'est vital. Oh non, pas encore un procès contre nous. Ah, c'est dans la cour de récré, ok. C'était mieux que la boîte à film. J'arrête pas à rentrer dans quelque chose. Avec ça, je pourrais faire un bon système. Conduite. Ok. Conduite approximative, quoi. J'espère que c'est pas sur le toit parce que ça me casse les couilles. Non, ça va. Pas évident à gérer. Ça va affecter mon assurance. Allez, allez, avance, avance, avance. Putain. C'est la pire ville des États-Unis. Je peux rouler à 55. J'en ai rien à foutre, ramasse le ketchup. Oh non, j'en étais sûr, putain. J'étais bien. C'est bien. Marge Simpson, à votre service. On a besoin de paquets de ketchup pour nourrir des gens pendant l'hiver. Aidez-moi à les apporter. Putain, mais fais un effort aussi, bon. Les putains sont de retour, les écouteurs. Allez, putain. Le mot putain est de retour dans ma bouche. On va être précis quand même. Je veux pas qu'on interprète mal ce jeu. Attention à toi. Je ne suis pas très doué. Putain, et puis c'est la nuit, il y a plus de monde que quand il faisait jour avec Homer, quoi. Vous abusez pas un peu? Oh, j'espère que j'ai pas à payer pour ça. Mets de la glace sur tes blessures. Allez, allez, allez. Putain. Oh, je vais devoir vendre mon limier pour payer ça. C'était mieux que la boîte. C'est méga chiant, j'en peux plus. Ah là, il... Là, on a gagné un 15. On a gagné un 15, mais j'ai l'impression que j'ai perdu un peu de temps ailleurs, en fait, par rapport à tout à l'heure. Finalement... Il va falloir que je prenne de l'élan pour le dernier. Si j'ai le temps, parce que... Oh là, dommage que j'ai pas de gros pneus comme j'ai vu à la télé. Ah, je l'ai vu arriver, putain! Mais c'est quoi cette merde? En fait, je pense qu'il faut faire le tour. Je viens de le voir, les flèches. Qui disent de faire ça, on va essayer. Allez. Faut que je devienne une vraie folle du volant.
puis je pense que ce sera la dernière mission pour ce soir. On a besoin de paquets de la dernière ou l'avant-dernière, si des gens pendant l'hiver. Juste la dernière, je pense. Oh, je vais devoir fendre. Il y a une autre décharge dans le coin. Je le sens avec un os odorant. Ah. Envoyez la facture à Homer. Putain. Oh, non. Mais c'est de plus en plus des savonnettes, ces voitures. Ok, ok. Pas grave. Ça fait partie du métier. Voilà. Regardez ailleurs, y'a rien à voir. Ouais, c'est pas grave, c'est pas dégueu non plus d'avoir fait ça. Là, on a plus de time. Là, c'est correct, franchement. Donc du coup, faudrait que je passe par là. Putain, ça fait un putain de détour quand même. Je sais pas si ça va passer, j'espère. Ah oui, ça passe. Putain, il faut que j'aille à la maison de l'autre bougeux, mais... C'est raide, hein. C'est vous, cassez-vous de là aussi. Les mecs, ils voyaient une voiture arriver, mais... Ils sont au niveau de la berline noire, ok, pas de soucis. Pas de soucis. Là, ça passait, j'étais tranquille. Ok, on est plus très loin. Ah, y a pas de timer, c'est cool. Ok, la mission elle est win. Bon, voilà. Merci bien. Maintenant, à propos de votre demande, mon papy a vu un dessin d'un de ses cercles un jour. Mais il est au ciel maintenant. Vous devriez demander à d'autres vieux. Essayez le cimetière. Merci, Cletus. Oh, de rien. Bon. On va sauvegarder, puis on va s'arrêter là, du coup, je pense. Sauvegarder, c'est bon. Parfait. Eh bien, écoutez, ça a été un plaisir de faire ce nouveau live avec vous. Vraiment un plaisir. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Donc, demain pour... qu'est-ce que ce sera Bugsnax. Ouais, on fera la suite de Bugsnax parce que j'avais kiffé. C'était rigolo, c'est sympa. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine, les écouteurs. Et surtout, ne vous amusez plus.